Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live du Journal du Golf. On a commencé un tout petit peu plus tôt. Tout simplement une question de luminosité, enfin, voilà, c'était bien de commencer un peu plus tôt aujourd'hui. Nous espérons que vous allez bien. Merci à Maxime Debs qui est avec moi aujourd'hui et qui va être derrière les platines pour faire en sorte que vous passiez un bon moment, une demi-heure riche sur un sujet que vous adorez, qui sera la dernière fois qu'on le traitera, parce qu'on l'a traité beaucoup, mais certains d'entre vous nous ont encore demandé de comment faire pour gagner de la distance, gagner de la vitesse au practice. Donc, dernier live sur la vitesse, sur la force, sur comment générer de la puissance au practice aujourd'hui avec nous, mais surtout, on est là pour répondre à vos questions. Très important. Première des choses, vous le savez toutes et tous, absolument génial, extraordinaire, à partir de samedi matin. Vous allez pouvoir, pour ceux qui n'habitent pas trop loin d'un golf, de nouveau pratiquer votre sport favori. Donc, comme l'a dit Pascal Grisot, la Fédération française de golf, à partir de samedi matin, moins de 20 km de chez vous, vous aurez l'occasion pendant 3 heures de pouvoir faire, entre guillemets, une activité sportive et donc le golf. Parce que bien évidemment, et on va le voir encore plus aujourd'hui, le golf est une activité sportive. Donc, c'est génial. On est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui malheureusement habitent un peu plus loin, Pascal Grisot avait l'air vraiment motivé et en tout cas avait l'air de mettre en avant le fait qu'à partir le 15, du 15 pardon, décembre, vous allez vraiment tous de nouveau pouvoir rejouer au golf. Donc c'est génial. J'insiste, pas mal de gens ont eu tendance à dire que la fédération ne faisait pas grand-chose, que le golf n'était pas dangereux. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont dites. Moi, la seule chose que je constate, en tant à la fois qu'enseignant de golf et que directeur de golf, dès l'instant où le déconfinement a été annoncé, que ça soit le 11 mai ou que ça soit le samedi 28 novembre, le golf a été dans les premiers sports à l'aide. Donc moi, je remercie énormément la fédération, Pascal Grisot pour ce travail formidable qu'ils ont fait. Certes, c'est hyper logique que de pouvoir jouer au golf. On est ici au golf du Vaudreuil, on a 60 hectares, les gens vont pas être collés les uns les autres. C'est logique, certes, ça c'est une certitude. Maintenant, même si c'est très logique, il faut quand même aller amener auprès des instances gouvernementales le fait de laisser jouer au golf. Donc, merci à la fédération. Et si vous, comme moi, vous êtes d'accord pour remercier la fédération, des pouces, des cœurs pour la fédération, une tonne, parce qu'ils ont fait un super boulot. Est-ce que tout le monde nous entend? Max? Ouais, c'est bon? Génial. Aujourd'hui, voilà, un sujet que vous aimez bien. Comment aller plus loin avec le driver? Comment taper plus fort? Et aujourd'hui, il va y avoir trois choses dans ce live qui, selon moi, sont intéressants à mettre en avant. Pour taper plus fort, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir de la vitesse et il y a le fait de bien contrôler cette vitesse. J'essaye toujours de faire cette analogie avec la voiture, d'avoir beaucoup de vitesse et d'avoir beaucoup de chevaux dans la voiture, en un. Mais vous avez beau avoir une voiture très puissante, si vous la conduisez mal, ça part dans tous les sens. C'est pareil au golf. En un, il faut avoir effectivement, plus ou moins de vitesse. Et de contrôler cette vitesse pour vraiment optimiser et bien très bien conduire, on va dire, votre driver. Donc ça va être, on va faire ça, on va essayer d'augmenter un peu la vitesse avec des choses super simples, surtout des outils qui sont à notre disposition, qui sont en général pas chers, et de comment mieux piloter la voiture. Ça vous va comme ça? Est-ce qu'on a des questions déjà, Max? Hop là. Ici rapidement. Alors juste, parce que là, je veux vous dire à toutes et à tous bonjour. Sylvain, à samedi, j'espère. Bonsoir, Martha. Enzo Bosco, bonjour. Bonjour à tout le monde. Elisabeth, bonjour. Tout le monde, bonjour. Patrick Esther, un grand bonjour. Les cours, Cyril, normalement, les cours devraient reprendre aussi. Les cours d'école de golf, c'est quasiment une archi-certitude parce qu'on sait que les moins de 18 ans ne sont pas logés à la même enseigne. Ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Donc, on a bon espoir pour les cours qu'ils reprennent dès samedi. Mais comme vous le savez toutes et tous probablement, la fédération va donner le plan d'action sous tous les détails vendredi matin avec Christophe Muniesa. Donc on en saura beaucoup plus. Martha, merci la FFG, complètement d'accord. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez taper plus fort? Oui ou non? Il y en a qui vont peut-être me dire non et je le prendrai pas mal. Il y en a qui veulent aller plus droit, tout ça. J'ai bien compris. Mais est-ce que taper plus fort peut être quelque chose de sympa? Je me répète. C'est la dernière fois, parce qu'on l'a fait souvent, dans ces lives qu'on étudiera le fait d'aller plus loin. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent aller plus loin? Max, si vous voulez aller plus loin, des pouces et des cœurs. Si vous voulez pas aller plus loin, c'est pas grave. La première des choses pour travailler la distance, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de, en haut de la liste, de bien vous échauffer. J'insiste là-dessus. Souvent, je vois des gens arriver au practice. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent le driver.
Ils font des grands swings très forts. Et encore plus là, vous allez toutes et tous, je l'espère pour certains, reprendre le golf soit samedi, soit reprendre le golf le 15 décembre. Probablement certains et certaines d'entre vous auront fait de la gym à la maison, auront suivi les conseils hyper intéressants de Cyril Loguazigo. Mais néanmoins, vous allez retaper des balles et c'est un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc de vous échauffer, c'est primordial, encore plus aujourd'hui. Quand on va faire une session où on va essayer d'envoyer un peu du lourd. Donc de vous échauffer, c'est toujours important. Je le répète rapidement, moi, comment je fais? Je pars toujours du bas vers le haut. Donc les chevilles, je l'ai fait déjà tout à l'heure et je voudrais qu'on aille assez vite. Donc les chevilles, les genoux, des choses extrêmement bêtes, hein, hyper simples, mais si vous le faites déjà, il n'y aura pas de blessure. Donc les chevilles, les genoux, les hanches, qui sont bien évidemment extrêmement importantes au golf, les hanches, les coudes. Les coudes et les poignets, super important. De toute façon, au corps, on utilise toutes les parties de son corps. Donc, très, très important. Les épaules en même temps. Alors, vous allez vous dire, il est un peu bizarre. Les coudes et les épaules, je vais me mettre dans ce sens-là. Je ne sais pas si on voit de face, Max, aussi, les deux. Voilà. Génial. Et pour moi, par exemple, qui ai toujours mal au cou, d'échauffer le cou est hyper important. OK. Il y a des outils pour vous échauffer qui sont à la fois des outils d'échauffement et qui permettent d'avoir plus de vitesse et de force. Et vous les voyez tout le temps, ces outils. Donc, je trouvais intéressant aujourd'hui pouvoir vous expliquer à quoi ils servent. Cet outil-là, à chaque fois, parce que je l'ai, bien évidemment, j'ai la chance de l'avoir dans mon bras, tout le monde me dit à quoi ça sert. Ça sert à créer de la résistance et à échauffer les muscles, dans un premier temps. Je vais vous expliquer aussi comment faire pour essayer de taper plus fort avec cet outil. Mais ces pales résistent et donc permettent au corps de se mettre sous résistance et de s'échauffer. Donc ça, super outil pour mettre de la force et s'échauffer dans le mouvement. Et il va nous aider à augmenter la vitesse de club. Ensuite, cet outil-là que vous avez forcément vu partout, que j'adore, pourquoi? Il est lesté, beaucoup de poids. Et là, ça permet d'avoir un tempo génial et de relâcher le club au bon moment. J'adore. Oh, ça m'étire dans tous les sens, j'adore. Et ça aussi, ça va nous permettre de générer de la vitesse. C'est des outils qui vous permettent de vous échauffer et de générer de la vitesse. Est-ce qu'on a des questions, Axe, par rapport à ces outils, par exemple? Alors, ralentir son swing. Super question de Cyril. Alors là, je change de sujet. Donc les profs ont une dérogation pour plus de 3 heures. En fait, comme c'est, alors je crois, hein, Cyril, hein, je me répète, je crois, mais comme c'est notre métier, ben, je pense que pour faire son métier, on a le droit aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur le lieu de travail, nous c'est notre lieu de travail, et c'est pas, je pense, je me répète, je pense, c'est pas pour nous le fait d'aller faire une activité physique et de partir plus de 3 heures de chez soi, on va faire notre métier, donc j'ose espérer qu'on va pouvoir être un peu plus longtemps, mais c'est une bonne question. Ralentir son backswing, oui aussi, contrôler un peu plus. Benjamin Pavoni, plus d'amplitude, plus de vitesse, absolument, absolument. Stanislas, maçon ou maçonne, je ne sais pas comment on dit, mais qui est souvent avec nous, à qui on fait un petit coucou, qui tape extrêmement fort, fais-moi passer à 220 ball speed. Il faudrait que je te voie swinguer, Stanislas, mais why not? 144 de club speed, 213 de ball speed, c'est plutôt très bien. Ces outils, ça apporte quoi en distance? Fifou, on va en parler. D'accord? On va en parler ensemble, justement, en distance et en échauffement. Mais voilà, c'est des outils qui, selon moi, sont très intéressants pour vous échauffer. Je vais vous expliquer comment, en résistance, on peut faire pour aller, aller plus loin. Pareil, alors, avant de taper des grands drives et de taper fort, l'objectif, c'est de s'échauffer. Vous êtes d'accord? Moi, je m'échauffe. Alors là, on va s'échauffer un peu plus rapidement que d'habitude. C'est juste pour faire le mouvement. Je prends un sandwich et je tape quelques balles pour m'échauffer, pour me faire mal nulle part. Le but de l'échauffement, même si ce n'est pas le thème de notre séance aujourd'hui, le but de l'échauffement est très simple. C'est de vous échauffer pour être prêt sur le départ du 1 et pour ne jamais vous faire mal. Qu'est-ce que c'est agréable de taper des balles et j'ose le dire maintenant car dans quelques jours vous allez pouvoir le faire tout et tout aussi. Donc j'ose le dire maintenant. J'aurais pas osé si ce déconfinement n'avait pas été programmé, mais qu'est-ce que c'est agréable. Allez,
Ce que je vous propose, je vais taper quelques balles avec mon club et j'ai positionné un trackman. On va voir quelle vitesse j'ai de manière classique. D'accord? Ça vous va? Et ensuite, on va travailler pour que j'augmente ma vitesse de club. J'ai tapé plutôt assez fort pour moi, celle-ci. Ah bah, je peux difficilement faire mieux. Je suis à 100,2. Pour moi, c'est honnêtement, c'est plutôt pas mal. Les parties un peu basses, mais honnêtement, c'est plutôt bien. Et je tape pas très fort. Je suis pas du tout comme Stanislas. Je suis désolé, mais je suis assez content. Je vais essayer d'augmenter. J'espère que vous l'avez constaté. J'ai swingé assez vite. Je vais essayer d'augmenter la vitesse de mon club. D'accord? Donc pour ce faire, et pour info, le smash factor étant de 1,49, j'ai pris la balle parfaitement au centre. L'objectif de ces outils. Et je remercie très chaleureusement Golf Atom qui m'a envoyé ces outils et qui me sont d'une grande utilité. Si vous voulez plus de détails à la fois sur cet outil-là, sur celui-ci et sur cette bombe dont on va se servir tout à l'heure, qui est absolument extraordinaire, mais extraordinaire, n'hésitez pas, je suis sûr que Antoine Leleu, qui est le responsable de la société Golf Atom, est sur le live. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, le prix, où vous pouvez les trouver, il vous aidera. C'est quelqu'un de formidable qui vous aidera avec grand plaisir. Ça, j'adore. Pourquoi? Parce que ça va me mettre en résistance. Je vais sentir que je suis obligé de forcer pour accélérer ces pales. D'accord? Donc là, je suis obligé de forcer. Ah. En fait, pour faire simple, pourquoi c'est génial? Ça me fait faire de la gymnastique, ça me fait faire de la préparation physique, employez le terme que vous voulez, mais tout en faisant le swing. Ce qui est absolument génial sur celui-ci aussi, je ne sais pas si on le voit bien, Max, d'ici, mais on voit que c'est un grip moulé, donc ça me fait prendre mon grip exactement comme il faut. Donc ça, cette double utilisation que j'adore. Je fais de la gym en faisant mon swing de golf. C'est le meilleur des mondes. Je vous garantis que ça réchauffe. On essaye? Alors, est-ce que ça ne va pas avec moi qui n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de préparation physique? Mais je dis bien avec moi, pas avec vous. On va voir, est-ce que ça a eu l'effet inverse ou pas? Vous avez vu que le premier coup, je m'étais donné à fond. Hein. Ouah, je suis fatigué déjà. Alors, elle est très mal tapée. Ouh! Alors, mon record, je ne sais pas si on peut voir d'ici. Mon record, je le note ici sur un tableau, je vous montrerai tout à l'heure, est à 105,6 de vitesse de club. J'espère le battre avec vous aujourd'hui. Déjà, je suis passé de 100 à 103. Je vous garantis qu'il n'y a pas de trucage. J'aimerais beaucoup. Allez, deuxième outil, qui celui-ci permet d'avoir le bon tempo, permet deux choses. Comme il est lesté, comme vous pouvez le constater, il permet d'avoir plus d'amplitude, de gagner en amplitude et de sentir qu'on va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est super pour les gens qui ont peu d'amplitude, il va loin. Donc ça, c'est la première utilisation de cet outil que j'aime beaucoup. La deuxième, c'est que comme il est lesté et qu'il y a beaucoup de poids en tête, on sent qu'on est obligé de relâcher le club au bon moment, c'est-à-dire en bas de l'arc. Souvent, les gens tiennent beaucoup et ils libèrent pas du tout le club. Donc là, avec ça, ce qui est génial, c'est que je libère complètement amplitude, relâchement, je libère le club au bon moment. Et je vous dis, ce qui est génial, je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, ça me fait faire de la gym. Je sens que à la fois je fais un effort pour bouger. Alors un effort, on s'entend, hein, ça va quand même à peu près, mais c'est exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire de faire de la gym complètement en relation avec ce dont on a besoin pour le swing de golf. Allez, est-ce que je vais battre mon record? Pas si mal. Je vous rappelle que ma vitesse en général est aux alentours de 100. Moi, je suis assez content. Tout ce qui est 102, 103, c'est pas mal. Les questions. On le voit, Max, le 104,5, ouais, tu l'as mis? Super. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris la balle jusqu'au bout. Je suis un peu triste parce qu'elle était plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des questions? Wow.
Ah, c'est sympa. Merci Alexandre Lambert, joli swing. Oui, c'est gentil. Stanislas, merci. Thomas, un grand coucou. Alors, quand nous n'avons la possibilité d'avoir ces outils, quels outils mettre dans le sac? Vous pouvez prendre deux clubs, prendre certaines choses. Après, c'est toujours pareil. Bien évidemment qu'il y a des outils qui peuvent faire office de, je dirais, de pour copier un peu l'utilisation de cela. Ces outils-là sont toujours faits par des spécialistes, par des, entre guillemets, des scientifiques qui optimisent vraiment le travail. N'hésitez pas à demander, je suis sûr qu'il est ici, à Antoine Leleu de la société Golf Atom. À mon avis, c'est pas très cher. Je suis pas très bon là-dessus, mais c'est pas très cher. Allez, lève ton talon gauche, grandis. Ouais, allez, je vais essayer tout ça, promis. Dingue, ces outils, donc il faut utiliser ces outils entre les frappes, c'est ce que je vais essayer de faire. Romain, comment ça va, Romain? Dingue, ces outils, est-ce qu'il est pliable avec les ailettes? Non, non. Bien que je l'ai monté, vous le recevez chez vous dans une boîte, je l'ai monté. Ça prend un peu de temps, c'est possible, mais ça prend un peu de temps. Ça marche avec du jambon au bout du club? Sylvain? On verra samedi quand on te verra au golf du Vaudreuil avec grand plaisir. On essaiera ensemble, c'est avec grand plaisir. Allez, on essaie de taper un petit peu plus fort, de voir le fonctionnement que ça a. Et je vais vous montrer encore quelques outils qui peuvent vous permettre, là aussi, de taper plus loin. Et je voudrais vous expliquer autre chose. Ici, j'adore les outils pédagogiques. C'est comme ça que j'enseigne au golf du Vaudreuil parce que je trouve que c'est ce qu'on a, ça donne ce qu'on appelle un feedback aux gens qui viennent nous voir et ça leur permet de comprendre. Donc, j'ai ces outils-là qui permettent d'augmenter la vitesse de club. Il y a des haltères pour les muscles. Ça, c'est les haltères de votre swing. Ces deux outils-là sont les haltères de votre swing. Je ne sais pas si c'est une bonne image. Max, c'est une bonne image, ça te plaît, les haltères de votre swing? Et là, je vous garantis que si vous essayez, vous allez sentir. C'est pas facile. Donc ça, vous créez des haltères pour votre swing. Pareil. Vous allez vous dire que je suis complètement fou. Mais ça me fait du bien. J'aime pas du tout aller à la salle de gym et c'est un tort. Je m'en excuse auprès de Cyril Loguazigo, mais ça, c'est très ludique et ça m'amuse. Et je sens que mes muscles se fatiguent progressivement. Et je suis sûr que dans quelques temps, c'est la première fois que je le fais. Je suis sûr que si je fais ça tous les soirs ou deux fois ou trois fois par semaine, et d'ailleurs, je vais le faire, c'est un test que je fais, on fera un live dans quelques temps, ça m'aide, je le sens. Jamais je passe plusieurs fois d'affilée au-dessus de 102, 103. Et là, je sens que ça passe pas mal et avec autre chose. Ici, au golf du Vaudreuil, je ne sais pas si on le voit, Max, mais on a énormément de chance. On a tous les outils technologiques qui existent. Des plaques qui mesurent la force dans le sol, un trackman, donc là, vous le voyez parce que vous avez les données, et ces outils et ces caméras qui permettent de modéliser le club en trois dimensions. Donc, on a beaucoup de chance. De tous les outils que j'ai à ma disposition, l'outil le plus important est celui-ci. Ce qu'on appelle le strike spray, qui est un spray, vous allez comprendre pourquoi, que je mets sur la face de club et qui va me permettre de déterminer, si j'arrive à l'ouvrir, où je vais taper dans la face. Et ça, c'est prioritaire. Génial. Donc là, j'ai mis de la poudre sur ma face de club. On le voit, Max? Super. Et là, quel va être l'objectif? Ça va être de savoir où je la prends dans la face. Pourquoi? On cherche, avec ces outils-là, à augmenter la vitesse de club. Lui, cet outil-là, va me permettre de savoir si je pilote bien mon swing. OK. Elle est prise complètement de la pointe. Clairement, c'était un peu volontaire de ma part, je préfère vous le dire. Et là, je l'ai pris de la pointe. D'accord? Est-ce qu'on le voit? Ce qui fait naturellement que je vais perdre de l'énergie. Vous comprenez bien que les clubs sont de plus en plus tolérants, mais deux objectifs. Qu'il ait de la vitesse, ce club-là, et que vous la preniez au centre pour que la vitesse soit bien restituée. Une autre.
On va essayer du talon, ça vous va? Détecter si j'arrive à la prendre du talon. Du talon. Ça se voit. Allez, on essaye au centre. Si j'arrive pas au centre. Allez, toujours avec beaucoup de vitesse, si je peux. Sans 4-4. On va y arriver. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'était mieux. C'est l'endroit, entre guillemets, un peu idéal, en haut de la face, très légèrement de la pointe, ça donne un peu de draw. Donc là, vous voyez à quel point c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si votre club va très vite, mais que vous la prenez à chaque fois ici ou là, la restitution d'énergie ne sera pas bonne. Donc, je me répète, ces outils-là vous permettent de mettre plus de chevaux dans la voiture et lui de détecter si vous la pilotez bien ou pas. Maintenant, conseil, si vous la prenez trop de la pointe du club, qu'est-ce qui se passe? Des choses extrêmement simples. On est là aujourd'hui pour faire simple. Si vous la prenez trop souvent de la pointe, n'hésitez pas à aller voir un pro PGA. Mais vous pouvez déjà essayer vous-même certaines choses. Première des choses, c'est de vous dire, ah, si ça se trouve, je suis un peu loin de la balle. Si vous la prenez du talon, peut-être que vous êtes trop proche. Si vous la prenez trop haut dans la face, votre tee est peut-être trop haut. Inversement, trop bas dans la face, peut-être votre tee est trop bas. Des choses très simples. D'accord. Donc, pour l'instant, vous avez le moyen de détecter où vous tapez la balle, vous avez le moyen d'augmenter la vitesse. Autre chose qui me permet d'utiliser comme il faut mes appuis, et ça j'adore, force pédale, la pédale de force. Ça c'est un peu comme votre mobylette, ou plutôt non, comme votre voiture, on est beaucoup autour de la voiture aujourd'hui, vous mettez du gaz, et bien ça je vais mettre du gaz avec ça. Donc ça cet outil, on vous le présente souvent, on adore. Moi je le mets sous le pied gauche, je mets pour l'instant la orange qui est la plus molle des deux, et je vous explique comment j'utilise. On sait que l'utilisation du sol au golf est quelque chose de primordial. Si vous regardez aujourd'hui un joueur comme Justin Thomas, il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, pourtant il tape très fort. Les femmes, souvent, on voit qu'elles explosent. Bubba Watson, tous ces joueurs et ces joueuses-là utilisent le sol comme s'ils lançaient quelque chose. Vous voulez lancer quelque chose très loin. À votre avis, je vais l'envoyer plus fort si je fais ce mouvement-là ou si je viens utiliser le sol et que je saute. Et bien là, c'est pareil. Si vous utilisez le sol comme il faut, vous allez gagner en puissance. Et aujourd'hui, avec ces clubs-là, qui sont d'une tolérance hallucinante, vous pouvez vous permettre de la décentrer un petit peu sans pour autant perdre trop de vitesse, même si le centrage est très important. Donc, aujourd'hui, on a entendu pendant des années qu'il fallait être très stable avec le bas. On entend aujourd'hui qu'il faut exploser avec le bas du corps. D'accord? Donc, quel est le but de cet outil que j'ai sous le pied gauche? Cet outil-là a fait l'objet d'études à travers le monde pour savoir si c'était efficace ou pas. C'est extrêmement efficace. Et l'objectif, c'est de venir sentir qu'on va venir presser en début de descente. Et dès l'instant où on est dans cette position, de se retirer de cet outil-là pour justement venir mettre de la force dans le sol qu'on va utiliser et qu'on va libérer dans le club pour mettre de la vitesse. Voyez ce que je veux dire, Max? Tu vois ce que je veux dire, toi? Super. Allez, j'essaye. Peu déséquilibré. Oh! Ah, ça me plaît, ça. 105-1. Donc, je suis passé de 100 et vous l'avez vu au départ. J'espère que vous avez tous constaté qu'au départ, j'avais fait un swing où je n'avais pas molli du tout, hein. Je réessaye. Force pédale, c'est vraiment un outil aussi qui fonctionne très bien. Alors, l'utilisation de ces outils-là au départ, forcément, a eu un impact, hein. Ok, c'est cool. Et en fait, j'ai un objectif, je ne sais pas si on le voit à l'écran, d'avoir une vitesse de balle assez rapidement aux alentours des 160.
Donc là, on voit que ma vitesse de balle est proche des 160. Je suis assez content. Le centrage est pas si mal. Sur les derniers coups, j'ai vraiment accéléré. Donc là, j'ai mis de la vitesse et je vous garantis que c'est vrai. Je suis pas là pour vous raconter de l'histoire que j'ai rarement mis. On peut pas aller là-bas voir le 105-6, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est la vitesse, une des vitesses les plus rapides que j'ai fait au drive ces dernières années. Parce que là, je suis dans une situation, je vous garantis. Ça fait combien de temps, Max, que ça tourne là? Le live? 27 minutes? J'ai fait de la gym, et tant mieux, mais de la gym, golf. C'est mes haltères pour le swing. C'est ma vérification que je pilote correctement. Je m'adapte par rapport au centrage pour l'instant, plus loin ou plus près. Et ça me fait utiliser le sol exactement quand il faut et comme il faut. C'est-à-dire, cet outil-là, l'objectif, c'est de presser et le timing. C'est-à-dire, je ne vais pas presser en haut du backswing, je ne vais pas presser après le swing. Je sais qu'il faut que je presse quand je commence à descendre, jusqu'au moment où mon bras gauche est parallèle au sol. Et je sais que quand je suis ici, il faut que toute la force que j'ai prise dans le sol, il faut que je la libère et que je peux me retirer complètement. Oh, j'ai envie d'en taper une autre. Pareil. La personne qui. Le propriétaire, président, je ne sais pas exactement quelle fonction il a chez Force Pédale, mais en tout cas, le créateur de la Force Pédale s'appelle Grégory Lebras. Et je suis sûr, en tout cas, j'espère qu'il est avec nous sur les antennes du Journal du Golf aujourd'hui. Et si c'est le cas, Grégory, manifeste-toi dans les commentaires et posez-lui toutes les questions que vous voulez. Ah, j'adore. Allez, 106,5, Max. Oh, elle est bonne, celle-là. Ah non. Enfin, ça me va, hein. Et surtout, j'arrive à la centrer convenablement à chaque fois. Celle-ci et celle-là étaient pour les tests, plutôt pas si mal. Je suis fatigué, moi. Quelques questions, Max, peut-être? Ah. Est-ce que vous avez des questions? Il est là, Grégory Lebras. Grégory Lebras est là, posez-lui toutes les questions que vous voulez. C'est lui qui a créé cette force pédale. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas mal. Ah, super question, comme d'habitude, de Thomas Miello. Il te faut peut-être des semelles adaptées pour encore améliorer la qualité de ton appui et ton rebond avec le sol. Et ça te permettra d'accélérer encore. Absolument. C'est une super question qu'on a quotidiennement. Est-ce qu'il faut que je me fasse faire des semelles? Le seul problématique du golf, Thomas, c'est est-ce qu'il faut faire des semelles? Un peu de travers ma casquette. Est-ce qu'il faut faire des semelles pour utiliser mieux le sol ou est-ce qu'il faut faire des semelles pour pouvoir marcher pendant 18 trous? Donc, ça, c'est quand même hyper important de garder en tête que les semelles au golf, vous marchez entre 6, 7, 8, si vous tapez pas droit, 10 km. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir des semelles qui ne vont pas vous poser de problème et ne vont pas créer de pathologie en marchant. Alors, que vous utilisiez bien le sol avec, c'est super. Mais voilà, mon petit conseil, Thomas, et vous tous et toutes qui nous regardez, c'est si vous êtes quelqu'un qui est ce qu'on appelle un launcher, c'est-à-dire qui utilise beaucoup le sol comme moi en rebondissant, comme j'ai fait avec la force pédale, n'ayez pas des semelles avec des semelles trop importantes. Pourquoi? Parce que cette semelle va retirer l'énergie que vous utilisez dans le sol. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour info aussi, si vous tapez, pour les gens qui, comme moi, utilisent l'énergie du sol verticalement, quand vous jouez sur un terrain sec, il va y avoir plus d'énergie dans le sol que sur un terrain mou qui va retirer l'énergie. Pareil avec des semelles. Donc ça, c'est mon petit conseil. Attention de ne pas avoir des semelles trop molles pour pas retirer trop d'énergie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jean-Louis, quel est le tarif de la bombe? Comment se la procurer? golf@home.com. Je n'ai aucune idée du tarif, mais c'est un des meilleurs investissements que vous ne pourrez jamais faire. Le nom de la bombe, Strike Spread, je vais vous la remontrer. Le nom de la bombe, je vais vous dire. Orthographe Force Pédale, je vais vous dire. Strike Spread, absolument. Strike Spread, absolument. Stephen Dodos, fidèle du Journal du Golf.
Il est là, Greg, le bras. Donc voilà, theforcepedal.com. Allez, Greg, comme tu es un mec extrêmement sympathique, on sait que tous les gens qui nous regardent. Oh, bah, j'avais pas vu en dessous. JD, G10, vous aurez 10% sur les Force Pédales. Ah, mon ami. Donc un grand coucou à Arnaud Vérac, que vous connaissez forcément et que vous entendez sur les chaînes de nos confrères Golf Plus, souvent le dimanche soir pour commenter les victoires sur le PGA Tour, avec qui je joue très, très, très régulièrement. Tout le temps et voilà donc je vais faire plus que 105 sachant que je l'overdrive régulièrement donc tout va bien pour l'instant merci Stanislas je suis un peu ridicule comparé à toi mais c'est pas si mal 5 miles en 10 minutes je suis hyper content il faut qu'on vous laisse parce qu'on avait que 32 minutes que 30 minutes aujourd'hui pour faire ce live on va vous montrer on va vous montrer les différents produits j'insiste pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de taper plus fort, veulent aller plus loin et ne sont pas hyper copains et copines comme moi avec la salle de gym. Ces outils-là vous permettent, je me répète, ce sont vos haltères pour augmenter votre vitesse de club et ce sont deux outils complémentaires. Vous pouvez déjà en acheter un des deux hein, qui vont vous permettre de vous échauffer aussi en toute simplicité. Pourquoi aussi? Je change un peu de sujet. Ce qui me dérange quand les gens s'échauffent avec des clubs, c'est qu'ils tapent des balles tout de suite. Là, au moins, il n'y a pas de balle, il y a juste à faire le mouvement. C'est assez lourd, donc on ne peut pas être trop violent. C'est ce que j'aime beaucoup. Moins de violence, c'est beaucoup plus de la force que de la vitesse au départ. Et honnêtement, je suis super excité pour moi. Tous les soirs, je vais en faire pendant une demi-heure comme je le fais là. Et j'espère, mon objectif en fin d'hiver, c'est d'être à 110. Je dis ça pour Arnaud Vérac, que je serai à 110 de vitesse de club avant, on va dire, début mars, quand on ira jouer ensemble. Et avec ces outils-là, franchement, c'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus fun. Ça me permet, je me répète, mes haltères. J'espère que ça ne vous fait pas peur. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Vous voyez que je ne suis pas très grand, pas très costaud. Ça me permet d'utiliser le sol et d'avoir un swing comme il faut. Et le bon timing. Et ça, c'est un bon, ce qu'on appelle feedback, c'est-à-dire un bon retour sur où vous tapez la balle, ce qui est primordial. Et ça, pas uniquement pour une notion de distance, aussi pour une notion de précision. Sur le sandwich, sur le putter, sur les fers, sur tout. Je ne sais pas si on le voit bien comme ça. Ok, super, strike spray. Golfathome.com. Je pense que vous l'avez, que Rémi Rivière, qui est aux manettes du journal du golf pour la partie des lives, je suis sûr, a dû vous le mettre dans l'intitulé du live. Et vous avez probablement un lien pour aller sur Golf at Home. Mais j'insiste. Quand vous avez des outils qui vous permettent de savoir quoi faire, on progresse beaucoup plus vite que sans rien. Allez, je réessaye pour Arnaud Vérac. On passe à 105, 106. C'est la dernière. Yes! Et elle est assez droite. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est plutôt droite. Qu'est-ce qui me permet de savoir au-delà de la bombe, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que mon smash factor est plutôt juste. Je suis assez content parce que progressivement, et sans en restant le plus humble possible, hein, mais progressivement, c'est en train de se nettoyer au milieu. On voit que les tees sont plutôt bien en centre, à part mes deux tests du départ. Donc elles sont plutôt au centre, je suis plutôt assez content. Et celle-ci, en distance, elle a fait combien, max? Ouais, 247 de carry, 272 total. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Et je suis ravi. Donc, j'ai battu mon record aujourd'hui. J'ai un petit tableau ici. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais on a un tableau où on mesure toutes nos vitesses. Mon record était à 105,6 et je suis maintenant à 106,4. Je suis assez content. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Alors, ce n'était pas pour parler de moi, ce live, mais je dirais, je ne suis pas du tout. C'était pas pour parler de moi, ce live, mais je suis pas du tout, malheureusement, comme Stanislas Mason qui nous regarde, qui passe à 144. Moi, je suis quelqu'un de, je veux dire, normal, qui tape pas très fort. Et là, vous avez vu, en peu de temps, je me suis amusé. J'ai utilisé des outils qui sont cool. Et c'était bien. Damien Perrier, que vous connaissez forcément toutes et tous, Damien Perrier qui joue sur le circuit européen. À la fois très bon joueur, passionné par le jeu, et en plus, vous voyez, on peut être passionné par le jeu et suivre les lives parce qu'il aime tellement ça qu'il nous suit souvent. Et un joueur qui a fait plein de très belles performances ces derniers temps, et bravo à lui. Et ouais, je fais ce que je peux, je te jure, je fais ce que je peux, je suis à fond là. Ah bon? Alors, les trois derniers drives, c'était avec la force pédale. Ça, c'est pour répondre à Vincent Fardel.
Donc les trois derniers drives étaient avec la force pédale. Hop là, je prends mon Trackman. Là, je vais là. Sur ma table. J'ouvre. On va voir les trajectoires si vous êtes d'accord. Donc ça, c'était la dernière. Hop là, qui est partie plutôt droite, j'ai l'impression. Donc ça, c'était la dernière. Partie plutôt droite, Vincent. Dur avec moi, Vincent. Celle d'avant. 105,5. Je suis content. Hein. Vincent, tac. Légèrement à droite. Non, non, elle est revenue. Elle était pas mal. Vincent, la précédente. Et celle d'avant. Légèrement à droite. Mais honnêtement, c'était plutôt pas mal pour moi. Elles étaient plutôt droites, Vincent, les dernières. Parce que celle qui est la dernière, pour info, si je regarde où elle s'est mise par rapport à l'axe de jeu, il y a une donnée qui s'appelle le side. Donc par rapport à l'axe tout droit, est-ce qu'elle s'est mise à droite ou à gauche? Ouais, elle était un peu certes à droite, puisqu'elle était 30 mètres à droite. Celle qui était un peu plus forte. Mais en général, non, avec la force pédale, elles ont plutôt été pas si mal. C'est pas les meilleurs drives de l'année, mais pas si mal. Rémi, moi je suis 7,5 d'index, ce qui est déjà très bien. Et j'ai du mal à envoyer au-delà de 230 mètres. Ce qui est important, Rémi, c'est d'aller voir un pro PGA, rien que pour déterminer. Est-ce que c'est la vitesse de club qui va pas? Est-ce que c'est le club qui va pas? Parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas le but. C'était pas le but, mais bien évidemment aussi, je me répète toujours avec cette histoire de voiture. Est-ce que la voiture a des chevaux? Est-ce qu'elle est bien pilotée? Est-ce que les pneus vont bien? Les pneus, on va dire que c'est le driver. Moi, j'ai jamais eu un driver comme celui que j'ai aujourd'hui. Les Smash Factor sont tous hyper bons. C'est pour ça aussi que j'ai envie de m'y mettre parce que je sais que j'ai un outil qui est bien. Donc, Jérémy, est-ce que la voiture a pas assez de chevaux? Est-ce qu'elle est bien pilotée? Ou est-ce que les pneus vont pas? Donc, est-ce que vous avez assez de vitesse? Est-ce que vous pilotez bien? Est-ce que le swing va bien? Est-ce que le matériel va bien? Rémi, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas gagner des mètres, mais déjà, essayez d'analyser pourquoi. Pierre, à samedi au Vaudreuil, oui, 1,5 de Smash Factor, ça m'est jamais arrivé et j'ai la chance d'avoir un driver formidablement efficace. Salut Laurent, légèrement à droite sur le lien de la forêt, en fait, oui, je me mettais sur le practice. Merci de me le rappeler, Lolo. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que vous avez appris des choses et j'espère que l'entraînement que j'ai fait là vous a intéressé et surtout que vous vous dites, OK, pourquoi pas moi? On n'a pas été dans une salle de gym. On a été au practice. On a fait des choses simples. Je me suis fait mal nulle part. J'ai utilisé des outils qui sont faits pour ça, qui vont vous permettre, j'espère, de taper plus fort. Merci à toutes et à tous. À très vite. Une petite dernière et tu coupes, Max, en essayant de voir si j'arrive à 106,5. Et on vous retrouvera tous dès demain sur les antennes du Journal du Golf où vous aurez Cyril, je crois, le Guazigo à un moment, et où vous pourrez suivre aussi un autre live très intéressant que l'on fait avec PGA France, donc l'Association des professionnels de golf, où on parlera de chipping. Et ça sera assez intéressant. Et à partir de samedi, dans tous les golfs. Maintenant, j'essaye sans rien. Tous les outils m'ont aidé à aller plus fort, plus loin. Donc là, j'ai la force pédale et j'explose. Suis fatigué. Et la force pédale m'aide beaucoup. Et elle est très droite, celle-ci encore, hein. Pour une fois, on est d'accord? Est-ce qu'on le voit qu'elle est assez droite? Elle était assez droite, assez haute et droite. Allez, merci à vous toutes, à vous tous, et à très vite sur les antennes du Journal du Golf. Merci.